Nous allons voir comment trouver un livre à partir d'une référence. Vous cherchez par exemple un ouvrage dont le titre est « Histoire des médias, de Diderot à Internet ». Les auteurs sont Frédéric Barbier et Catherine Berthaud-Lavenir, paru aux éditions Armand Collin en 2009. Pour savoir si ce livre est présent dans le réseau des bibliothèques, à partir du site de l'Université de Strasbourg, cliquez sur « Bibliothèque ». Vous arrivez ensuite sur le portail des bibliothèques qui permet d'accéder à la documentation papier et numérique. Sélectionnez l'onglet « Catalogue ». Saisissez les termes principaux de la référence. Par exemple, quelques mots du titre et le nom de l'auteur. Ici, « Histoire, médias et Barbier, Berthaud, l'avenir ». La page de résultats me donne accès à plusieurs versions de l'ouvrage. Sélectionnez l'édition qui vous intéresse. En général, choisissez la plus récente. En cliquant sur ce titre, la page de résultats signale toutes les bibliothèques qui disposent de cet ouvrage. Vous pouvez donc le localiser. Vous souhaitez par exemple emprunter l'ouvrage à la bibliothèque d'histoire. Cliquez sur « Bibliothèque d'histoire » pour visualiser la disponibilité de l'exemplaire et sa cote. La cote d'un ouvrage est ce qui permet de le trouver dans les rayonnages de la bibliothèque. Il s'agit de l'adresse du livre. Notez bien la cote pour pouvoir retrouver l'ouvrage sur place. Ici, le document est disponible et la cote est Bibliothèque de recherche libre accès 302.2/BAR. Si vous ne trouvez pas la référence ou si le document n'est pas disponible, n'hésitez pas à demander l'aide des bibliothécaires sur place ou à distance avec Ubib. En cliquant sur le nom de la bibliothèque, vous trouverez toutes les informations pratiques la concernant. En cliquant sur l'icône, vous pourrez la visualiser sur le plan.